Je mets la sauce arachide sur le riz. T'es dans le public, moi je suis sur le ring. Je suis plus rapide que toi, frère, les mal arrêts. Je suis un roi polygame, donc je tiens les rênes. Elle comme rire raconte des conneries. N'ayez pas peur du 49-3. Tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Franchement les gars, je suis super content de vous retrouver. Alors aujourd'hui ça, bah oui, il y aura 4 vidéos cette semaine. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo tuto. Tout simplement, on me l'a demandé au collège. C'est comment installer des mods sur Minecraft. Voilà. Alors donc, nous avons d'abord besoin de Minecraft Forge. Donc en gros, vous allez aller dans votre version de Minecraft. Donc moi, c'est 1.12.2. Donc si t'es en 1.4, tu peux faire 1.4.7, voilà. Donc moi, je suis en 1.12.2. Voilà. 1.12.2. Alors du coup, donc moi, vu que c'est déjà installé, donc je vous recommande donc vous pouvez faire Windows installé. Donc, mais attendez, je vous recommande de faire installer, parce que Windows installé, bah c'est pas, voilà. Donc vous faites installer, voilà. Donc là vous attendez quelques secondes, il y a un peu de pub, voilà. Vous faites skip, là il va vous installer, je sais pas si vous voyez en bas, il va vous installer Forge. Donc voilà, donc nous allons attendre quelques secondes. Donc enregistré. Nous allons donc l'ouvrir Forge. Donc si vous avez pas ça, donc attendez, on va le refermer. Si vous avez pas ça, vous allez dans fichier, donc bibliothèque, téléchargement. Et là vous avez Forge. Donc moi, vu que je l'ai déjà installé, bah voilà. Donc vous allez l'ouvrir. Ça vous normalement ça vous crée un petit fichier. Vous faites install client. Surtout vous faites pas install serveur ni extract. Vous faites install client, d'accord? Vous faites OK. Il va vous mettre la progression. Vous faites OK. Ensuite, vous allez encore sur internet. Donc voilà, vous allez sur un site. Moi personnellement, j'ai tapé. J'ai tapé, vu que je suis en 1.12.2, j'ai tapé mode Minecraft 1.12.2, voilà. Donc là, je suis sur list of Minecraft 1.12.2, sur 9 Minecraft. Donc du coup, donc là, par exemple, je sais pas, je veux installer, qu'est-ce que je pourrais bien installer? Minecraft mode. Non. Bon, les gars, je cherche un mode, là. Tutoriel, pardon. Alors, donc, il y a 44 pages sur ce site, hein. Donc, on va voir. On va dire que c'est un peu beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que... Crafting... Non. Oh, je sais pas quoi faire, les gars. Qu'est-ce que... Mais... Ouah, je vais mettre ça, les gars. Eh, franchement, je vais mettre ça. Attends, c'est bon. Qu'est-ce que vous pourrez... Mais, les gars... Bon. Sinon, au pire, hein, je vais installer un mode comme ça. Genre, allez, on va installer ça. Biome au Plenty Mode 1.12.2, 1.11.2. Vous cliquez dessus. Donc sur ce site, vous cliquez dessus. Et vous faites... Donc là, il y a les screenshots. Oh, il est beau ce mode. Quelques screenshots. Excusez-moi les gars, des fois je renifle, je suis un peu enrhumé. Ce truc dégueulasse. Voilà. Donc, il y a quelques screenshots. Il y en a beaucoup. En fait, il y a plusieurs maps, je crois. Bon, allez là. Donc vous allez tout en bas de la page. Par contre, c'est pas pareil pour tout ce qui est j'allais dire Apple. Pour tout ce qui est Alors donc là vous faites, vu que vous choisissez votre version, OK. Genre là. Oh, m'énerve ce PC.
Je râle, moi. Genre là, 1.12, 1.12.2, vous faites peu importe lequel. Donc moi, je vais faire from server 2, hein, download from server 2. Vous allez là, vous faites download. Voilà. Donc là, il va vous le faire et je vais vous montrer sur le serveur 1. C'est exactement la même chose. Voilà, il me l'a encore installé. Donc du coup, cette page-là, vous pouvez l'enlever. Attendez que ça charge et vous pouvez l'enlever. Donc, du coup, vous faites annuler, hein, celui-là, très clairement. Du coup, 1 seconde, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Enregistrer. Cette page-là, vous pouvez la fermer. Comme votre bouche. Oh, la blague de merde. Voilà, donc j'ai mis mon petit logo là-bas. Je sais pas trop à quoi ça sert. Donc vous allez encore dans téléchargement. Hein. Bien ça. Ah oui. Donc là, excusez-moi, c'est un fichier pour mon logo. Donc téléchargement. Et là, biome au plenty. Donc vous la prenez, vous la glissez là. Enfin, sur votre bureau. Hop, on va le mettre là où j'ai un trou. Vous faites la... Je sais pas, attendez. Je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Vous faites... attendez. Attendez 2 secondes. Alors, donc, attendez, je vais vous montrer en image. Image. Voilà, vous faites cette touche-là sur votre clavier. Hein, très clairement, vous faites cette touche-là. Et vous faites R, donc. Cas où vous n'auriez pas compris. Voilà, vous faites ça en fait. Vous faites, voilà, vous faites Windows R. Donc après, c'est peut-être pas un clavier comme ça. Mais bon, c'est ça ne change rien. Hein. Windows plus R, voilà. Donc Windows plus R. Et ensuite... Donc je fais Windows plus R. Et là, donc là il n'y aura rien d'écrit. Donc là vous mettez pourcentage app d. Donc pourcent a p p d a t a. Et là vous terminez par un autre pourcent pour fermer, on va dire, la parenthèse. Vous faites OK. Et là vous avez tous les logiciels que vous avez. Oh là, il y en a beaucoup. Tous les logiciels que vous avez mis sur votre. Je me souviens plus. Sur votre PC, voilà. Donc là, vous cliquez sur le logiciel. Enfin, sur le fichier. Minecraft. Donc là, vous allez. En gros, vous allez dans votre fichier Minecraft. Donc. Là, on se doute tous bien que c'est mod. Voilà. Donc là, vous allez. Au cas où, pour ceux qui veulent leur screenshot. Vous allez retrouver vos screenshots dans screenshot. Et pour les mods, vous allez là. Et là, genre, moi, j'ai que instance structure. Hop. Voilà, comme ça, on va faire ça. On va le glisser. Là, aussi, biome, machin. Hop, on va faire ça. Et du coup, vous retournez dans ce truc-là. Vous faites... Vu qu'il faut redémarrer Minecraft. Voilà. Donc, vous redémarrez Minecraft comme il le faut. Vous faites Minecraft Launcher. Voilà. Et ça, 1.6.73 tiret J, vous faites pas attention. Donc les gars, le temps que ça charge, je fais une petite ellipse. À tout de suite. C'est bon. Pardon. Oui, donc les gars, c'est bon, c'est chargé. Donc vous faites. Attendez, il y a eu un petit commentaire d'ailleurs. Pierre334, merci. Donc vous faites play. Là, ça va charger. Je fais encore une ellipse. Quand ça aura fini. Ah bah non, en fait, c'est bon. Donc, voilà. Pierre, 2 secondes, je fais une vidéo. Hein. Donc là, Minecraft, il va s'ouvrir. Et je vais vous montrer un truc. Donc, on va glisser les fichiers là. On voit bien Mojang. Ah, donc. C'était pas ce. Je crois que c'était ce. C'était pas ce signe-là, là.
Ah. Donc les gars, excusez-moi, je me suis trompé. Donc en gros là, vous faites ça et vous fermez. Si vous avez un logiciel genre ça, vous tapez dessus, vous allez sur le fichier. Là, vous allez tomber sur Minecraft Launcher. Donc en fait, moi j'ai deux modes de launcher vu que c'est la nouvelle version. J'ai ça et l'ancien comme vous avez pu le voir. Là. Donc là, il me met plantage du jeu, je le mets fermé. Bon, en même temps, il plante souvent. Et là, vous avez forge. Donc, moi, il y est déjà. Mais si vous ne l'avez pas, je vais vous montrer comment faire. Attendez. Excusez-moi si je tousse. Non, pas ça. J'aimerais bien. Ah, voilà. Vous allez. Là, il y a un petit bar, comme dans menu. Vous avez donc là le skin, voilà, on voit tout ce qu'on mon skin. Et vous allez dans pas paramètres mais options de lancement. Et là, vous avez genre ajouter un nouveau. Et là, vous mettez je sais pas Forge. Là, vous avez toutes les versions téléchargées. Vous faites enregistrer. Moi, il y est déjà, donc je vais pas faire ça. Voilà. Donc du coup, je mets Forge voilà, jouer. Et donc là, je fais une petite ellipse. À tout de suite. En même temps, je vais répondre à Pierre. Oui, donc les gars, en fait, c'est bon. Ça a pris du temps avec le mode que j'ai mis. En fait, j'aurais pas du tout dû mettre ce mode. En même temps, j'écoutais de la musique. Hein. Voilà. Donc Pierre, je t'ai répondu. Donc ce n'est pas un monde. Tu m'as mis. Excusez-moi. Le temps que ça charge. Tu m'as mis. Comment s'appelle ton monde, Romain? Donc tout le monde sait que je m'appelle Romain, j'espère. Et en fait, oui, donc je parlerai un peu plus fort. Et ceci est un pseudo. Ah oui, d'ailleurs, j'ai une annonce à vous faire, les gens. Je suis super content. Donc ceci est un pseudo. Va vraiment se trouver un pseudo. La blague de merde. Et donc, en fait, il va venir, vu qu'il va avoir un PC le 25 pour Noël, il va venir faire du gaming avec nous. Donc j'espère créer une team dans pas longtemps. Voilà. Donc alors ce n'est pas un monde, c'est un mode comme je t'ai dit Pierre. Voilà. Donc là il y a l'interface de instant structure, mais moi c'est pas ça que je veux. Donc là ça va vous afficher une page comme ça. Hein. Voilà. Et si ça ne marche pas, contactez-moi et j'essaierai de régler vos problèmes. Bien sûr si je vous connais, parce que si je vous connais pas, bah ça va être un peu dur. Hein. Donc les gars, je fais une petite ellipse en attendant. Voilà, c'est bon les gars, on est sur l'interface de on est sur l'interface de Minecraft. Donc du coup, on va aller sur voilà, vous voyez Minecraft Java Edition voilà. Donc là, vous voyez un truc en plus, mode. Voilà. Donc là, vous avez tous vos modes. Il y en a 5 déjà qui sont déjà mis voilà. Vous faites terminer. Vous allez sur solo. Donc on va faire celle que je vous ai présentée là, le truc. On va faire ça. Donc, par contre, désolé si c'est en petit, à moins que... Les gars, je tente un truc. Je regarde si ça fonctionne. Hein. Attends. Échappe. Oh les gars! J'ai réussi. Bon bah voilà. Je sais comment mettre en vrai. Voilà. Donc les gars. En gros, donc je vais y aller vite. En gros, genre là, j'ai fait ça. Donc ça, c'est instance structure. Et genre là, normalement, voilà, là, vous avez plusieurs pages, vous voyez? Et genre là, boom, bitch, hein, voilà, on va dire que ça, voilà. Donc ça, c'est le mode. Vous voyez, il y a plusieurs trucs. Genre les arbres, les feuilles de chêne en fleurs. Genre les escaliers, voilà, les portes, bien stylées. Il y a plusieurs arbres. Les gars, terrarium, 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 on va essayer ça. Hein. Détecteur de biome. What? Panier à fleurs. Les gars, briques de boue. Eh, mais il y a des trucs. Kaki, ok. Œuf de... Ok, on va essayer ça. Donc les gars, on va aller vite, hein, puisque je suis déjà à 14h30. Donc en 30 secondes, je vais devoir vous présenter. Donc alors, il y a ça. What? C'est des abeilles en fait. Ok. Détecteur de biome, c'est quoi? C'est ça? Bon bah ça marche pas. Un terrarium a priori. C'est un terrarium. Donc on met le serpent.
Et là, il y a une porte, normalement. Voilà, une porte un peu des... Une porte un peu des... Bon, en tout cas, les gars, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Allez, salut tout le monde!